Hop, je reviens à l'enregistrement. Donc, alors, à présent, nous passons à la suite du programme. Donc, voilà, réponse à vos questions directes, c'est fait, mais encore une fois, si vous avez d'autres questions tout à l'heure, vous mettez un petit mot dans la fenêtre de discussion, puis je vous donnerai la parole. Alors, apprenez à jouer des standards de Gershwin. Donc, alors en fait, sur la chaîne YouTube, donc c'est youtube.com/ArmaudChopin, vous avez, voilà, tac, c'est ici. Vous avez plusieurs, vous avez pas mal de choses. J'ai remarqué que j'avais téléversé la 300e vidéo. Donc, je sais pas si ça se fait, mais Bonjour. voilà. Bon, il n'y a pas que de l'harmonica, hein, j'avoue. Il y a aussi un peu de piano. Et puis quelques chansons françaises de temps en temps, parce que j'écris également des chansons. Donc de temps en temps, je mets une petite chanson française. Et puis toutes les semaines, il y a un petit morceau, une petite reprise de chansons françaises au piano. Bon. Et alors, dans les playlists, donc, pour ce qui nous intéresse ce soir, je parle quand même d'harmonica, il y a ce que j'appelle la vidéo du samedi midi. Voilà, donc c'est dans les playlists. Je vais trouver, voilà, c'est juste ici, vidéo du samedi midi. Donc en fait, chaque samedi midi, il y a une nouvelle vidéo et vous avez la possibilité d'apprendre à jouer un nouveau morceau chaque semaine. Et donc, le morceau de cette semaine, c'est un morceau de George Gershwin qui s'appelle Embraceable You. Embraceable You. Je suis pas très bon. Je prononce pas très bien l'anglais. Ce qui veut dire toi qui es embrassable. Je sais pas si c'est tellement en français, mais enfin, voilà. En gros, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Et je me suis dit, bah, tiens, ce serait pas mal puisque comme c'est aux alentours de la Saint-Valentin, ça marche très bien. Donc, bah, tenez, je vous fais écouter le morceau.
Voilà. Et donc, si vous voulez apprendre à jouer le morceau, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Vous avez un lien, tac, ici. Et là, vous êtes redirigé sur un article. Et donc, voilà, vous avez le rappel du nom du morceau et la vidéo. Et en cliquant sur Je vais apprendre à jouer Embraceable You, et bien vous arrivez sur la page donc, qui vous permet d'acquérir le. Donc, en fait, vous avez trois options. Soit vous prenez la tablature seule, soit le dossier pédagogique traditionnel ou le dossier pédagogique complet, et tout est repris dessus. Donc, je ne fais pas le détail ce soir, vous verrez tout ça. Sachant que, bah, comme d'habitude, il y a une promotion de lancement, puisque chaque semaine, il y a un nouveau morceau, donc il y a une nouvelle promotion. Donc là, il reste 2 jours, 14h, 49 minutes et 26 secondes. Si, voilà. Et donc, samedi prochain, vous allez avoir un nouveau standard de jazz de signé Gershwin. Donc, ça va être quatre vidéos, une par semaine de Gershwin. Donc, en fait, à chaque fois, avec des niveaux différents, niveau 2, niveau 3 ou niveau 1. Donc, le niveau 1, c'est que des notes naturelles. Niveau 2, c'est notes naturelles plus altération inspirée. Et niveau 3, il y a aussi des overdubs. Okay. Voilà, donc ça c'est Gershwin. Alors, une question d'André, très bien. Mis le niveau 2, beaucoup trop d'altération, donc trop tôt pour moi. Bah, ok. Donc après, à vous de voir, donc, soit vous prenez soit vous dites bah, c'est trop tôt pour moi, mais j'ai bien envie de jouer le morceau, donc bah, je profite de la promo, comme ça je le prends tout de suite et. Voilà, je vais l'avoir parce qu'il sera toujours disponible après, sauf qu'il va être 2 fois plus cher, quoi. Enfin, il va revenir à son taux normal, évidemment. Donc, soit vous le prenez maintenant parce que vous profitez vous êtes malin, vous profitez de la promotion, soit vous dites, bah, c'est pas grave, je ne sais pas si je le jouerai un jour ou pas. Pour le moment, ce n'est pas trop mon truc, j'ai pas y a trop d'altération, bah, c'est pas grave. Il y aura d'autres morceaux où, à chaque fois, de toute façon, chaque semaine, vous avez un niveau différent. Donc, niveau 2 là pour cette semaine, ce sera niveau 3 avec des overblows la semaine prochaine, puis après, on repasse au niveau 1. Donc, il y aura forcément dans le lot, il y aura forcément un morceau qui vous plaira. Okay. Enfin, qui vous plaira et qui sera de votre niveau, je veux dire. OK.